faire bilan déroulement campagne solidarité nous lancée depuis la date 16 d'août là en faveur victimes grand studio mais enseignants en particulier et annoncé mercredi 25 là une grosse journée solidarité en faveur tout enseignant grand studio qui a fait la Port-au-Prince et plusieurs villes et provinces pour nous pour côté et professeurs parents élèves citoyens et femmes pour garçons a bien procédé pour que je vous dise des dons en espèces et en nature pour enseignants et dans le studio et nous avons tout beaucoup de chapeau dans toute institution personnalité qui déjà a beaucoup de pouces pour que d'ici week-end nous avons pour cargaison d'aide par enseignants dans le grand sud là qui est dans grande difficulté. C'est pour nous demander que aide là enfin bien coordonné et dans ce sens ça nous était attaché à l'idée faut gagner structure de coordination aide là qui fait avec des représentants organisations crédibles et personnalités crédibles dans la société avec protection civile pour être des canaux qui mettent campé pour aider à arriver vers toutes les victimes, les victimes dans la ville, les victimes dans la commune, section de la ville, les gens qui sont éculés, je veux dire. Et la dernière position, c'est pour nous dire que le ministère repenser, reconsidérer, date 6 septembre, et la question de l'université de Kassa, parce que si la sous-politique pour venir là, cyclone, comme elle était qui passait dans le sud là, zone de nos droits, côté l'école très importante, avant même l'école date qui prévoit, demander que nous repensions et qu'il y ait des mesures qui prennent pour mettre que le relevé de casse qui fait petit clic dans quelques zones, mais nous avons le relevé de casse inclusive qui fait pour tous les élèves de tout le pays. Sur le premier point, nous avons lancé nos campagnes solidarité en faveur des victimes d'incendie en particulier, dans la date 16 d'août là. Et après ça, il était bien accueilli ici, tout le bord de l'eau. Et nous avons fait de presse côté, nous avons demandé pour gagner une structure de coordination. Effectivement, il y a une structure de noyau qui commence à monter. Et nous avons ça à réfléchir sur comment aider à coordination aide là. Dans la phase urgence, mais comment tout faut nous regarder phase deuxième phase réhabilitation, troisième phase construction pour que exiger que l'État prenne des mesures qui permettent que les capables des possibilités pour faire face correctement à des catastrophes comme ça, les meilleurs produits pour ne pas apparaître, c'est-à-dire démousseler et j'en parle là que nous sentons que l'État va parler pour faire face à la catastrophe qui est minimum qui existe là. Donc, ce qui est là, il a l'idée de la règle de personnalité et qu'il a bien pour nous, ben, détail sur lui, donc pour cette conférence de presse. Et dans le cadre de la campagne là, nous avons une grosse journée de solidarité qui a fait dans Port-au-Prince et dans plusieurs villes et provinces. Et côté professeurs, parents, élèves, étudiants, citoyens, femmes et garçons, a bien possibilité pour nous voter des dons en espèces et en nature. Nous avons, pour Port-au-Prince, 6 centres de collecte de dons pour date mercredi 25 d'août. Nous avons un bureau numéro ici, dans Bois Verna, numéro 25. 2. Nous avons un bureau ASSO dans Riel Ben, dans numéro 23. Nous avons une école supérieure. École supérieure dans le conseil de Guillou. Nous gagnons l'université, qu'est-ce qu'il y a? Rotujo. Nous gagnons Presse Café Pétionville, Rigo, numéro 28. Et Belma, nous gagnons l'université Caraïbe, Belma 29, qui a utilisé comme centre de dos en espèce et nature pour enseigner dans le studio dans la date. Le 4 juillet de solidarité, c'est qu'a fait journée 27 d'août 2021. Deuxième bataille, nous pensons que solidarité là, l'idée doit coordonner, être de coordonner, pour être que l'idée joigne toutes les victimes. Parce que jusqu'à présent, aucune ne sommes reculés, donc plus plaignés, parce que ça n'a pas atterri.
Donc, canal sur qui peut créer les quatre coordinations ici-là, coordination globale, coordination départementale, communale, section communale, ça va permettre que qu'il y ait des gens crédibles qui, dans le comité ici-là, peuvent être atterris vers toutes victimes, que ce soit zone ou trouvée là. Sous question, réviser l'école là. Vous pensez que par rapport à la situation politique pourrie qui est là, par rapport à tremblement de terre 14 août là et cyclone qui passe dans le sud, par rapport à celui des zones de nos droits, côté l'école, d'obliger couille faire les portes, tant que notre circonscription avant même date là, il faut que les mesures qui prennent, il faut qu'on dise qui c'est quoi fait pour que l'école ne parle pas dans quelques zones et puis au plus de zones libre car il ouvre parce qu'il n'y a pas de conditions qui réunies. Sous question grand sud là, nous pensons que à jeudi à 24, à moins de deux semaines de six ans, nous parlons comment l'école n'a pas ouvert. Si vous voulez ça, nous dit que faut que le ministère repense la question de nous aider des classes là pour les six ans et prendre des mesures pour permettre que nous aider des classes effectives. Et faut qu'il y ait un recensement qui fait. Le nombre d'écoles qui écrasent net et que c'est un gars qui doit faire pour mettre les types de cas jouer le côté de la promotion de la section. Deux, l'école qui est dommagée, qui peut être réhabilité rapidement. Et deuxième mesure, c'est une mesure d'accompagnement par rapport à parents et directeur d'école et professeurs. Il y a des mesures d'accompagnement spéciales qui nous prennent vis-à-vis de eux pour être capable pour nouvelle école là. Et deuxième l'autre mesure, dans la zone insécurité, quand l'école est déjà fermée avant même date qui nous prévoit, il faut qu'il y ait une sécurité qui prend pour que l'école là, quand elle ouvre la porte pour fermer la scolaire là, parce qu'elle n'est pas fermée, c'est coup de coup qui des zones. C'est comme ça, que tu peux proposer, etc. Donc, il faut que tu aies une sécurité pour l'école. Pour reprendre, pour faire l'année, et puis pour l'autre année. Et la zone, si là, on connaît pas rien, la difficulté, directeur de difficulté, pour sa difficulté, il faut que tu aies une mesure d'accompagnement qui est pour avoir à eux-mêmes, pour que tu aies une subvention de eux, et une subvention spéciale qui va être capable de parler pour les classes. Et en dernière position, nous avons des syndicalistes, leaders syndicales, qui sont victimes de la pression syndicale sur l'agenda. Si madame, ministre qui il a pas même causé la même logique tête en bas antidémocratique à Genève de mesures qui prend rapidement pour rétablir toute une investigation en droit et reporter toutes les gros projets qui dépend à leur compte parce qu'il y a combien pour défendre droit éducation droit professeur et dans le pays. Et dernier madame dit nous avons l'école là suite après passage cyclone et tremblement de terre. Mais est-ce que nous avons plaisir de louper l'école, fermer l'école? C'est que nous avons posé une question. Quelle école dans le là? Est-ce que l'école s'affaire des citoyens réels qui connaissent le sport et qui informent des informations sur ce qui a passé dans l'environnement? Qui informent sur l'ensemble de risques auxquels nous exposons? Et que, qui comprennent le gagner par rapport à risques les catastrophes qui sont des comportements pour éviter que les victimes. Ce n'est pas seul pays qui est exposé à risque. Pour le pays qui est exposé à risque qui est aussi grand ou plus grand que nous, mais l'État prend des mesures qui veulent que vous diminuez au maximum le risque et les catastrophes naturelles qui produisent pas gagner autant de dégâts parce que vous avez dit quoi. Je veux dire que l'école qui informe les citoyens sur qui risque auquel exposé et qui comment pour gagner. Comme citoyen qui dans l'école là. Et quand on forme des gens qui capable d'être revendicatif, des gens engagés qui ont exigé que l'État prenne des mesures qu'il faut pour que le risque auquel nous posons réduit parce que il y a des mesures qui prennent parce que l'éducation, parce que la construction de la trier, pour que nous avons moins de dégâts les comment des faits. Donc, l'éducation de classe là, toutes les mesures que nous prenons pour que nous avons une bonne visite de place. Et comme la question d'avis de tout, est-ce que l'équipe qui est là, qui a des réponses à pour le petit là-haut, Kabaï, que pour les études là-haut. Donc, c'est l'occasion pour demander à terre dans le secteur politique là, secteur la vie sociale là, secteur social là, pas de nous dire, je n'ai encore rapide
pour que nous une nouvelle équipe gouvernementale qui vote, car des réponses qui ne peuvent pas attendre pour être bien à côté de là. Merci. Tout ça qui est là-haut. Oui. Parce que l'école là de former et élèves, étudiants, en façon pour le connaître et comment en fait, comment environnement physique, puis connaître qui ensemble de risques auxquels ils ont exposé et qui ça veut faire pour qui comprennent de gagner les déclarations qui produit et même tout, le reste de former tout pour que ils exigent, ils exigent que l'État prenne ce qu'il faut. Même sur l'autre côté, les risques, les catastrophes, nous, on n'a dit pas en pile des cas, parce que des musiques en matière d'éducation, en matière de construction de la prière, qui fait que le risque des dégâts réduit au maximum. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Nous devons considérer la question de la situation globale pour le pays qui doit résoudre dans ce sens pays. Et pour une bonne école, qui a formé les citoyens, nous devons qu'il va éduquer la société, qui est un zombie, qui va prendre la société, qui va prendre toute information sur qui s'est passé dans l'environnement, qui est un peu risque, qui est un peu de faille là, et qui s'est mis comme risque. Par rapport au côté nous nous situons aujourd'hui, donc l'école là, doit dire maintenant, si ce n'est pas des zombies, l'idée de l'histoire de tel pour informer effectivement sur tout ça nous est comme risque et pour que nous prenions des comportements qu'il faut et qu'il faut exiger que l'État tout et prenne les mesures qu'il faut en matière d'éducation, en matière de construction et l'autre pour faire que nous ne gagnions pas autant de dégâts, les gagnions des déclarations pour produire. La question est c'est de la réouverture, on va parler seulement de. Département qui touche alors on va accentuer tout sur le quartier qui est. Mais c'est ça, nous dit quartier ça, et quand même vous venez pour faire, mais faut que les mesures de sécurité qui prend pour que l'école qui est au bout, l'école écrasée, le cas d'habiter, etc., et Timounion, car retourner par exemple dans une zone pour que l'école. Quartier chaud pour l'école, car allez, l'école n'est pas fini. Notre quartier ça notre circonscription, avec un profil, c'est pour les autorités des hommes, bien avant. Maintenant, il faut que je finisse à l'éo, à l'escolaire qui est passé, puis qu'on soit allé sur des nouvelles bases. Donc maintenant, faire une bataille pour que l'éducation en école, qui éduque la citoyenneté, qui ne faut pas zombie, mais citoyens qui ont le devoir, citoyens qui ont revendiqué, citoyens qui ont engagé, citoyens qui ont participé. Non, costaud, citoyens qui. Qui va venir pas croiser lorsque l'État va prendre son équipe.